Ouais, salut, salut. On se retrouve du coup pour une découverte de Kingdom 80s Summer of Greed. Ouais, je pense que j'ai progressé en anglais, c'est plutôt pas mal. C'est un jeu apparemment de gestion, style pixel, enfin, les graphismes sont en pixel et un peu dans le délire Stranger Things, etc. Donc, il faut construire, faire évoluer nos bâtiments, etc., tout en s'amusant à faire du vélo, des wheelings, etc., avec les potes. Il y a beaucoup d'etc., et ça a l'air bien. Donc on va tester ça, on va voir. Je l'ai jamais lancé. Je vais le mettre à fond hein, parce que c'est un jeu en pixel art limite, donc si ça rame, ça me ferait quand même chier. Et ça fonctionne à la manette apparemment. Donc on va essayer avec la manette. En espérant que la Nekom qui fonctionne bien avec les jeux de voiture fonctionne bien avec ça. J'ai pas assez de son. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Difficulté normale. Oui, normal, c'est bien. Ouais, c'est vraiment clairement le délire de Kingdom. Kingdom, j'allais dire. Stranger Things. Offre une expérience unique dans l'univers de Kingdom. Nous recommençons aux joueurs de découvrant la série de commencer en mode normal, c'est mieux. Les vétérans pourront se frotter au mode difficile et maudit. Ok. Petit coca. Donc beaucoup. Culture geek, etc., années 80, avec déjà le style. Ça me fait penser au Conte de la Crypte. À Crêpe Chaud, pardon. Crêpe Chaud 2, c'était comme ça. Et il y a des références, surtout des Easter eggs, etc., E.T. et compagnie. Je pense que ça va me plaire. Ça va, Tom? Ouais, bon, c'est l'intro, hein, c'est pour ça que ça, on dirait un animé. Hein. Mais tu vas voir après au niveau du gameplay. Mais j'aime beaucoup comment la cinématique a été faite, c'est magnifique. Le son, c'est bon? Tu m'entends bien même quand il y a la musique? Donc on va tuer des monstres. Déjà. Ah, j'adore la pixelisation de l'image, c'est fait exprès, hein, bien sûr. Hein. C'est pas mon matos qui arrive pas à faire tourner. Épisode 1, on était au Camp Kingdom. Je peux pas régler les graphismes, rien? Mais non. C'est quoi eux? C'est des Oompa Loompa qui volent les kayaks? Je te cherchais. Tu es de la lignée des monarques. Oh. Les papillons. Tu dois t'emparer de la couronne de la création. D'accord. Ah, les reflets, ils sont magnifiques. Ok, donc le vélo se contrôle comme ça. Par ici. Oui, c'est bon, j'ai compris. Donc je ramasse les pièces. Ok. Ouais, c'est le tuto du début en fait. Reste ici. Ben, j'appuie sur A. Ah, faut rester appuyé, d'accord. Donc là, j'ai fait évoluer le bâtiment. Il faut que je les embauche. Alors, recrute deux enfants. Touche pour lâcher des pièces. Ah, ils sont vénales, hein. Ils veulent du pognon, quoi. Ok. Donc là, on fait pareil. Les archers défendent les murs. Mais j'ai pas le temps de lire. J'aurais pas dû appuyer. Ok. Donc eux, ils vont tuer les autres Oompa Loompa. Ah non, en fait, ils chassent les animaux. Ça, c'est pas cool, par contre. J'aime pas qu'on tue les animaux. Donc je ramasse les pièces, ok. Là, il y a quoi? Là, j'ai pas le droit d'y aller pour l'instant. D'accord. Elle me fait signe comme ça. Donc, il travaille ici. Là, je vais devoir faire évoluer celui-là. Alors, les ouvriers construisent des murs et abattent des arbres pour obtenir des pièces. Maintien pour acheter un marteau. C'est un city builder, en fait. Oh, c'est bien qu'ils aient fait un petit tuto, quand même. Mais j'aime beaucoup le style graphique, hein, c'est magnifique. Oui, ok, je te suis, c'est bon. Mob game en image pour le chapitre 3. C'est vrai? Ouais, mais bon, il est toujours pas sorti, quoi. Là, il serait sorti ce soir, j'aurais fait un live direct avec Ethan. Alors, les murs gardent les rapaces. Donc, c'est des rapaces, les Oompa Loompa, quoi. À distance la nuit. Maintien pour construire un mur. Donc, les pièces te permettent de construire. Ok. Et. Donc, ça y est, j'ai construit. C'est quoi le problème? Voilà, il a construit. Ok, il a fait la muraille. C'est bien, ça me gêne pas pour circuler. Alors, maintien pour abattre un arbre. Mais j'ai pas envie de l'abattre, celui-là. J'ai pas envie d'abattre cet arbre. Je suis obligé de le faire. Oh, c'est chiant. C'est qui va le couper? C'est lui. Ok, c'est l'ouvrier.
J'adore le style graphique. Les reflets dans l'eau, ils sont magnifiques. Ça me fait penser à Teardown, le jeu où on peut tout péter et tout est fait en pixels. Où le moteur physique, il est incroyable. Alors, recrute 2 enfants, touche pour lâcher des pièces. Ok, ok. C'est bien que ça fonctionne à la manette, c'est pratique. Alors, tu vas avoir besoin de renforts. Maintien pour activer un autre arc. Pour acheter, pardon, un autre arc. Je veux de la musique, là. Je veux de l'ambiance années 80. Tu vas avoir besoin de renforts. Maintien pour acheter un autre marteau. Ok, donc, quand j'améliore et j'ai un autre marteau, ça permet à un autre ouvrier de bosser avec, c'est ça? Appelle chez toi. Faut payer pour appeler? Bah, dis donc. Cool. Normalement, il y a un truc annoncé le 15 juillet. Oh, bah alors là, d'ici là. En plus, on sera même pas là, donc je pourrais pas le faire le jour J. Enfin, c'est annoncé, donc ça sortira sûrement cet été. Laissez-nous votre nom et votre numéro, et nous vous rappellerons dès que possible. Chef. Alors, apparemment, c'est procédural. Le personnage est créé aléatoirement à chaque fois. Je dois trouver un moyen de passer. Merde. Je pourrais peut-être récupérer le canoë et rentrer chez moi en suivant la rivière. J'ai pas vu ta réponse, Tom. C'est bon pour le son? Tu auras besoin de ce canoë pour rentrer chez toi. Oui, mais les petits Oompa Loompa me l'ont volé. Ils sont partis dans un monde parallèle. Et de l'aide d'un ami. Ok. D'accord. Ou deux, peut-être. Mais tous les reflets, c'est du temps réel. C'est franchement, c'est beau. Alors, c'est à toi de jouer maintenant. Récupère notre canoë. Oui, maman. Accélération. Ouais, c'est clair. C'est super beau. Alors, pourquoi j'ai eu des pièces, là? Il a fait quoi, en fait? Toi, je t'ai déjà recruté? Apparemment, oui. Il veut pas de ma thune. Ici, c'est quoi? Ah, il m'envoie directement à la baston, en fait, je pense. Moi, j'embauche. Apprends. Il en veut pas. D'accord. Je peux récupérer ma pièce, quand même. Mais merci. Comment on fait les wheeling? J'ai fait tomber la pièce. Je sais pas faire les wheeling. Je peux sprinter. Là, il vient de boire un coup à la gourde. Ok. Ton micro, je l'entends nickel, t'inquiète. Ah, merci, merci Tom. Le Nintendo Direct, c'était le meilleur. Ah ouais, bah j'ai pas pu le regarder. Donc là, on va recruter ce mec-là, c'est ça? Bah. D'accord. Oula, il en faudra beaucoup de pièces, là. Et voilà, ces monstres peuvent toujours essayer d'entrer, maintenant. C'est bien fait, j'aime bien. Que je te regarde approcher, hein. T'as besoin de mon aide, c'est ça? Eh ben, je descendrai pas tant qu'il y aura le moindre danger. D'accord. Donc faut que je mette aussi un mur à gauche pour pas qu'elle soit protégée, c'est ça? J'entends toujours des monstres. On va s'en occuper. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. J'adore l'ambiance. Avec la petite musique tranquille, là. Qui va sûrement s'accélérer quand il y aura des ennemis. Donc je vais directement dans ce truc-là. Ah bah je peux pas. Pourquoi je peux pas? Ah! En fait j'ai shoot avec le vélo, c'est ça? Ils me veulent mes pièces! Les Oompa Loompa, ils me veulent mes pièces! Ah ouais, mais s'ils me laissent pas y aller, je fais quoi moi? Je suis mort? Deux mains gauche. Mais deux mains gauche de quoi? J'ai fait évoluer mon vélo. Ok, d'accord. J'ai plus de pièces. Ok. Et donc ce vélo-là va plus loin. D'accord.
Ah mais je peux pas sauter donc je peux couper les arbres, ça c'est pas un souci, mais il faut des pièces. Il y a Mario RPG qui arrive le 11 novembre, le DLC de Mario Kart qui arrive cet été et le meilleur pour la fin. À tout nouveau. Je vais encore mourir. Ma couronne, bordel! Ah, c'était fait exprès, c'est scénarisé tout ça. Enfin, je crois. Pas de couronne, pas de héros. Mais c'est quoi ce bordel là? Et il me dit de récupérer le truc, moi je vais vers ça. Je t'ai à nouveau embauché, tu le prends ou pas? Il n'en veut pas. Faut s'armer, c'est quoi le truc? Un nouveau Mario Bros, Super Mario Wonder. D'accord. Bah, au magasin, au champ, hier ou avant-hier, j'ai vu un Mario Galaxy. Je me suis dit, oh putain, j'aimerais bien l'avoir, mais je pouvais pas donc. J'entends. Ok. Ouais, bah les monstres, on va pas aller à gauche, on sait qu'on meurt. Donc, il y a sûrement d'autres trucs à faire là-bas. Ah, y'a rien. Ah. C'est juste pour fabriquer des marteaux, donc si j'ai pas assez d'employés, ça sert à rien, j'imagine. Donc là, je fais évoluer, c'est quoi? C'est la mairie? C'est... Ça, c'est pour les arcs, d'accord. Il y aura des monstres aussi là, j'imagine. Ah non, je retourne voir l'autre pote. Ok. Je me fais avoir à chaque fois, faut rester à pied. On dirait le frère de la rousse dans Stranger Things. Je commence à douter de moi-même. Mais non, faut pas. On dirait peut-être pas comme ça, mais je suis champion original d'aviron. C'est bien. Donc faut lui retrouver son trophée, ok. Alors, qu'est-ce que ces créatures peuvent bien vouloir faire de mon trophée? Ils ont pris ma couronne tout à l'heure, donc c'est qu'ils doivent être accros à tout ce qui est brillant. Et ça c'est quoi? Je répare l'abribus. Ça a rien fait. Ah, c'est un nouveau vélo. Merde, j'ai qu'une pièce. Y a des mecs qui vont sortir si je passe, c'est sûr. Je sais pas comment on fait les wheelings. Hein. C'est peut-être avec un autre vélo. Alors, je ramasse des pièces. Du coup, je peux faire à nouveau évoluer le vélo, non? Je suis fasciné par les reflets. C'est très basique au niveau graphisme, mais ça rend très bien en fait. Et je peux encore passer à la gamme au-dessus là. Oh, je me casse. Allez, vas-y, approchez-vous, et comme ça, les autres ils vont vous shooter. Vas-y, viens, viens, viens. Oompa Loompa. Allez. Ouais, ouais, venez, venez. Bambi, barre-toi. Ah, comme ça, je les attire et ils se font shooter. C'est le bon plan, ça, pour avoir des pièces. Allez, allez, je vous attends exprès, en plus. Allez, tire, toi. Voilà.
Voilà, merci. Et j'ai pas de pièces? Donc ça c'est chiant par contre. Et comment je choisis si je veux installer une protection de ce côté-là? En fait je peux pas. Ou alors faut automatiquement virer un arbre. Ah, attends. Voilà, là j'ai fait une muraille. Ok. Et donc je dois embaucher quelqu'un pour faire un truc d'archer. Vous êtes pas dispo. 2, c'est quoi 2? C'est le jour 2. Peut-être c'est un jeu de survie. Ouais, c'est ça, jour 2. C'est façon 7 days to die, quoi. Fait ses courses au champ. Ah bah en ce moment, c'est pas le bon moment d'aller en course. Au champ, ça va là chez moi, mais quand tu commences à aller vers Paris, Île-de-France, etc., Sud, pas trop le moment d'aller faire les courses. Là. On va attirer deux autres mecs. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça m'a pas... Ah, il n'y a plus le truc. D'accord, ok. Vu que je les ai tués, automatiquement, la porte s'est barrée. Ah, oh, mais hey, il est tellement beau, ce jeu. Mais pourquoi tu veux pas aller plus loin? Ah si, c'est bon. C'est quoi ça? J'aime bien les jeux de lumière avec les arbres et tout. Oh non! Mais ils m'ont pris ma couronne, bordel! Bah ouais, mais c'est débile leur truc là. Tu peux rien faire contre eux en fait. Tu peux pas tirer, tu peux faire que dalle. Pas de couronne, pas de héros. Oh non mais... Qu'est-ce qui a augmenté? Alors Netflix, on fait un trailer. Saison 2 de Squid Game. Avec des tout nouveaux participants. Oh bah non, mais je kifferais regarder la saison 2 de Squid Game. Ouais bah tu t'en doutes que Macron c'est pas mon pote. Hein. Pourquoi ça clignote en haut le mec avec le vélo là? Je peux l'embaucher? C'est quoi le truc? Ça va pas garder en mémoire quand j'ai installé la structure j'imagine. Bah non. Attends. Si c'est ça. J'arrive pas à savoir. Alors pourquoi il fait ça? Il pile là pour rien là. Là je peux construire un truc, c'est ça? Enfin, j'arrive pas trop à comprendre en fait. Il y a un tuto au début, mais après c'est démerde-toi en fait. Je pensais que tu aimais bien ce président. Pardon? Avec le tatouage que j'ai un tatouage d'emmerde la Macronie. Je sais pas comment je pourrais bien l'aimer. Ah non, 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 non. Clairement pas, non. Par contre, il me faut une pièce là pour ramasser ça et je sais pas ce que c'est. Ah, c'est son trophée, putain, ouais, il me faut une pièce. Faut que je trouve une pièce. On va refaire un aller-retour, voir si quelqu'un m'en donne une. C'est parce que j'essaye de brûler les étapes, à mon avis. Faut juste faire des allers-retours à gauche, à droite, là, pour avoir les pièces et faire ce que les mecs te demandent, en fait. Au début, je pense que c'est comme ça. Et quand il est fatigué, à mon avis, il pile comme ça. Bah voilà. Ouais, mais vous tuez les animaux, ça me fait chier, mais... Je sais pas pourquoi il est essoufflé, on va lui laisser faire une pause. Voilà. Non, c'est pas ça. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Ok, donc le sprint c'est avec cette gâchette là. Donc je ramène son trophée. On se casse, vite, vite, on se casse.
Oh, genre mon vélo il déraille, non mais c'est une blague. Alors, je comprends pas, là ça a changé à nouveau de gâchette. C'est ça. Et bien sûr, son fric, on sait d'où il vient. De tes parents, de nous. De toi quand tu bosseras. Tiens, ton trophée. Bah oui. J'ai trouvé ton trophée. Cours de gym. Recruter quelqu'un d'athlétique. Bah voilà. Du coup, il va m'aider. Ouais, il a un peu de mal quand même par rapport à moi. Ça, je peux le faire évoluer. Merde, j'en ai que deux. Oh. Alors attends, pourquoi ta couleur a changé sur le truc? Là, t'es en rouge maintenant et t'étais en bleu tout à l'heure. Macron, destitution! J'ai encore que deux pièces. Faut que je ramasse d'autres pièces. Histoire de renforcer la barricade, là. Bah voilà. C'est quoi, ça? Ah bah voilà. Comme ça, on a une protection à gauche et à droite. Donc, ça, c'est une autre protection, c'est pas urgent vu qu'il y a la première avant. Et il a du mal à péter. Oh putain! Ah oui, il est shoot direct comme ça, d'accord. Il manque un archer. Shoot-le! Merci. Il me faut un archer. Qui ne travaille pas? Comment on distingue ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas en fait? Donc là, l'arc, j'en avais fait un. J'en avais déjà fait un en plus, donc c'est quoi le problème? Voilà, je l'ai embauché. Tu peux être archer ou pas, toi? Jour 3. Attends. Mais je l'avais construit la barricade, pourquoi elle y est plus là? Je comprends pas. Ouais, faut d'autres marteaux, donc faut des pièces. Faut que j'attire des méchants, c'est quoi le truc? Il détruit la France, c'est comme la femme de ménage. Ouais, bah, nouveau président, même ça, tu vois, je suis pas serein, parce que... Il y en a aucun qui me donne envie. Ils veulent tous la célébrité, le pognon, le pouvoir, tu vois, donc automatiquement, dès que t'as le pouvoir, l'être humain, il devient con. Donc faut pas de pouvoir, en fait. Faudrait faire comme à l'époque où on est, quand t'es à l'école, tu sais. Genre où t'es élu un délégué, tu peux le jarter comme tu veux. Voilà, j'en étais sûr qu'il me piquerait ma couronne, putain. Non, mais je vois même plus mon écran. Ah, merci. Les deux joysticks te permettent de te déplacer en fait. Ça se trouve, faut péter un arbre. J'aimerais bien avoir des pièces en fait. Concrètement, parce que sans pièces, tu fais rien dans le jeu. Ouais. Nous, on est dans la merde aussi. Tu peux dire merde, hein, parce que Mouise, tu peux dire merde.
Ah oui, c'est là que j'avais mis la barricade, c'est vrai. Il aurait fallu que j'avais le plus loin. Ça, j'ai envie de rejouer au jeu... Putain, le jeu avec l'acteur de Walking Dead, là. Où tu dois transporter des corps, etc. T'es un genre de FedEx ambulant. Je rejouerais bien à ça. Ça pourrait être cool. Je pense que je vais le mettre après. Étends les murs pour sécuriser le camp. Faut des pièces. Les pièces, je les récupère comment? Oh, putain. Voilà, shooter. Mais il ramène pas de pièces, en fait, quand il les shoot. C'est ça qui est chiant. Et shooter. Merci. Compliqué, hein? D'accord. Ben voilà. C'est quoi ça? Non, on va pas dépenser pour avoir ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Faut enlever les arbres, sûrement. On peut pas. Ok. Ouais, on va retourner là-bas et on va faire évoluer le truc. Elle a dit qu'il faut plus de murs, donc on va faire plus de murs. Jour 4. Je peux t'embaucher tôt ou pas? On va attendre. Donc là, on aura un archer. Il y a un archer qui va le prendre ou pas, ça? Allez, boss! C'est bon, elle l'a pris. Ok. Et tu vas te mettre là-bas. Ouais, c'est un genre de city builder gestion, mais... T'as le contrôle sans l'avoir, en fait. Attends, donc là, en fait, j'ai mis deux murs. Tu as le trailer du film FNAF. C'est quoi ça, FNAF? Tu savais, le nouveau Pixar au ciné, c'est le film de Pixar qui a le plus bidé de tous leurs films. Apparemment, oui, j'ai entendu ça. Effectivement, ouais, ça a pas fait mouche. Il y a assez de murs pour elle ou pas, là? J'entends toujours des monstres, et tu m'emmerdes. Peut-être t'avais un mur ici. Sauf que je le fais comment? Les monstres, ils vont se pointer. Voilà. Voilà, merci. Allez, shoot les autres. Allez, shooter! Merci. Il shoot pas aussi. Quand il y a ce bout là, c'est qu'il y en a qui sortent. Oh non, mais c'est casse-couille. Il fait rien, le mec, en fait, avec moi, là. Oh putain, je vais perdre encore. C'est débile. Ah, le dernier Freddy.
Pas de couronne, pas de héros. Je comprends pas trop le concept. Je pense que je vais mettre mes gosses sur ce jeu-là parce que bon, j'ai du mal. Je parle pas de Freddy, hein, je parle de ça. Là, j'ai un peu de mal, là. Après, visuellement, c'est très sympa. Là, je dois pas être assez concentré parce que j'ai un peu de mal. Je m'attendais, vu que c'est un city builder et que t'envoies des gens avec des marteaux, des machins, à avoir plein de ressources, j'ai que dalle. Donc bah, 100 pièces, tu fais absolument rien dans le jeu. C'est ce que j'ai compris, ça. Sauf si je me trompe, mais je pense que c'est ce que j'ai compris. Donc voilà quoi. Ma fille, elle kiffera, parce que c'est dans le style Stranger Things, elle est fan de la série. Donc elle va adorer, mais moi là, j'ai un peu de mal. Donc ça va que ça m'a coûté que 8€. Sauf que là, il a tiré sur des trucs, mais j'ai pas de pièces, donc ça me sert à rien. Bon, je vais arrêter, je vais lancer le... Attends, tu sais comment le docteur m'a enlevé le plâtre? Ben, normalement, c'est avec une roulette qui tourne super vite et qui fait flipper, là. Moi, il m'avait coupé mon plâtre comme ça, à l'époque, où je m'étais fait ma double entorse. Vu que t'as l'impression qu'il te coupe la peau avec, enfin, c'est un bordel. Ouais, c'est ça, une scie pour plâtre. Non, mais t'inquiète, toi, je connais. C'est pour ça que quand tu m'as parlé de ça, je savais de quoi tu parlais. Donc t'as l'impression que ça t'arrache la peau quand il passe. Ah non mais t'inquiète, ouais, c'est une saloperie. Ouais, je sais. Bah de toute façon, je sais pas si tu seras là encore Tom après, vu qu'on est vendredi, il y a des chances. Faut le temps que le jeu se télécharge vu qu'il fait au moins plus de 100 gigas. Moi ouais, je sais que ça vibre. Ouais. Mais ouais. Bon après le jeu est très beau, sauf que j'ai pas compris tout. Le tuto est bien au début, sauf que bah, après il te laisse un peu comme... Comme ça, donc tu dois sûrement attendre. Service public, attente de bus. Ok, donc j'ai un trophée juste parce que j'ai fait ça. Okay. Mais ouais. Tu peux refaire un nouveau Discord, s'il te plaît? Ah, un nouveau lien de partage, je vais te l'envoyer sur Twitter. Ok? Je t'envoie ça sur Twitter. Bon. Je vous dis à plus, les gens. Et le jeu, ouais, je pense que c'est moi qui ai pas dû le prendre du bon... Mais ma fille le fera, sûrement, et elle va kiffer, à mon avis. Donc elle aime bien ce genre de délire. Moi, c'est un peu trop... À la fois simpliste et compliqué parce que je fais pas ce que je veux et j'ai pas les pièces, j'ai rien. Bon, on me dit bah coupe du bois pour avoir des ressources, du coup ça me va et je coupe toute la forêt, tu vois, mais là je peux pas. Donc ça m'emmerde un peu. Demain tu seras pas là? Ok, bah de toute façon je vais faire toute la semaine, je vais faire des lives de plusieurs heures. À savoir sur quel jeu, peut-être le jeu que j'installe justement. Parce que c'est un jeu très très long donc ça serait sympa comme live. Mais sinon je vais voir. Donc je te dis à tout à l'heure si t'es encore là. Ok, Tom? Et les gens, bah, je vous dis à plus. Et vous avez vu à quoi ressemble le jeu, en quoi consiste le jeu. Donc bah, faites-vous plaisir hein, si vous voulez. Je vous dirai que ça. Allez, bye.